François Grosso, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder l'historique de vos éditions, parlons un peu de cette librairie des éditeurs associés. Pourquoi cette appellation ? Alors, cette appellation, tout simplement parce que nous sommes ici dans l'ancienne librairie Corti, qui a été reprise par les éditeurs associés il y a 2 ans maintenant. C'est-à-dire, les éditeurs associés, c'est un groupement de 4 éditeurs qui se sont réunis pour promouvoir l'édition indépendante. Et donc, cette librairie propose le catalogue de 40 éditeurs indépendants avec l'idée que sur les rayonnages, vous trouvez, dans la mesure du possible, le catalogue le plus exhaustif de chacun de ces éditeurs. Et les éditeurs associés, donc, par ailleurs, organise un festival qui s'appelle le Festival Raccord et qui a lieu chaque année au mois d'avril. Donc là, on est en train de préparer le prochain qui a lieu du 10 au 14 avril, qui de la même façon invite des éditeurs à proposer un événement dans un lieu plutôt inhabituel pour parler de littérature. Donc c'est un festival où il y aura une lecture musicale d'un texte sur l'immigration à l'église Saint-Bernard, qui est l'église des sans-papiers. Il y aura un événement dans une piscine avec des lectures et des ateliers. Il y aura un autre événement sur Freud dans un club privé étrange. Enfin, voilà, c'est un peu l'objet des éditeurs associés, sachant que le lieu de base, donc, c'est cette librairie, qui est un endroit quand même assez incroyable. Et tout simplement, je vous ai donné rendez-vous ici parce que c'est là que je vais travailler cet après-midi à la préparation du festival. Si j'ai bien compris, ici, c'est le dernier bastion des auteurs indépendants. C'est l'un des derniers bastions des auteurs indépendants. En tout cas, c'est un bastion qui tient absolument à défendre l'édition indépendante et à défendre une certaine conception de la littérature. Alors, sachant qu'il se trouve qu'en plus, cette librairie se trouve donc au 11 rue de Médicis, et qu'en juillet dernier a ouvert au 11 rue Médicis, juste à côté, une librairie d'extrême droite. Donc je pense que c'est encore plus important que des bastions comme cet endroit existe, justement. Qu'est-ce qui vous a amené? Quel est votre parcours professionnel? J'ai toujours travaillé dans les... Enfin, non. Après mes études, j'ai fait des études de lettres. J'ai travaillé dans l'édition chez Albin Michel. Et... Je suis parti de chez Albin Michel parce que j'avais appris beaucoup de choses, mais je ne faisais pas du tout les livres qui m'intéressaient. Et j'ai arrêté l'édition pour devenir professeur, ce qui était peut-être plus la logique quand on a fait des études de lettres, en me disant qu'un jour, peut-être, je referais de l'édition, mais uniquement si je faisais des livres qui étaient ce que j'avais envie de faire. D'où, en 2005, la création des éditions du Chemin de Fer, justement, pour essayer de faire ce que j'avais envie de faire. Alors pourquoi cette appellation, les éditions, les chemins de fer? Est-ce que c'est un rapport avec le voyage, le train? Non, ça n'a rapport ni avec le voyage, ni avec la SNCF, ni avec la vie du rail. C'est tout simplement, les éditions du chemin de fer se sont créées avec l'idée de proposer des textes de fiction adultes, n'est sûrement pas le bon mot, mais en tout cas, en demandant à des artistes de s'emparer du texte pour produire des images, se nourrir du texte pour produire des images. Et donc, ce sont des livres où il y a un texte de fiction d'un auteur et une série d'images d'un artiste, peintre, graveur, dessinateur, photographe. Et il se trouve que le chemin de fer en termes d'édition, c'est la mise à plat du livre pour vérifier les vis-à-vis texte-image. Ça s'appelle faire un chemin de fer. Et on a trouvé avec mon collègue Renaud, qui en a créé les éditions du chemin de fer, que ce chemin de fer, qui évoquait quelque chose à la fois de sinueux, le chemin, et de solide, le fer, plus voilà, cette justification du terme de maquette. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est très lié finalement à l'édition, parce qu'un journal est fait avec un chemin de fer, avec la page 1, 2, 3. Le journal imprimé est fait avec un chemin de fer, et les logiciels de mise en page, d'ailleurs, gardent le thème, c'est-à-dire le thème, c'est on peut visualiser le chemin de fer. Alors comment fonctionne justement votre édition, les chemins de fer? Comment ça se passe? Comment vous fonctionnez?
Qui choisit les textes? Qui choisit les auteurs? À l'origine, je viens plutôt de la littérature et mon collègue Renaud Buener vient donc plutôt des Beaux-Arts. Donc c'était quand même l'idée et l'envie de faire, de créer ensemble une maison d'édition, donc d'allier ces deux intérêts. Aujourd'hui, au bout de 13, presque 14 ans, c'est beaucoup plus poreux, c'est-à-dire je ne peux pas dire que je m'occupe spécialement du texte pendant que Chronos s'occupe de l'image, mais il y a quand même ces deux grands pôles qui restent nos prérogatives originelles. Comment ça fonctionne sinon? Nous ne sommes que deux, hein, c'est le principe de ce genre de petite maison d'édition aussi. Et on s'occupe de tout dans la mesure de nos moyens, c'est-à-dire depuis l'éditorial, justement, le choix des textes, le choix des artistes. Alors comment se fait le choix des textes et des artistes? C'est une histoire d'une relation, c'est des amis, ou c'est plutôt le texte qui va susciter chez vous l'envie de vous lancer dans l'édition? Alors, quand on a créé la maison d'édition en 2005, on savait ce qu'on voulait faire, des textes de fiction d'auteurs contemporains, des textes plutôt courts, donc une longue nouvelle, un court roman, et ensuite de les confier à des artistes. Mais finalement, on ne connaissait personne d'autre que les auteurs dont on aimait les livres. Donc on a demandé aux auteurs qu'on ne connaissait pas, mais dont on connaissait le travail et qu'on aimait, si cette aventure les intéressait. Et il se trouve que, dès le départ, plusieurs auteurs ont dit oui, c'était Henri Beauchaud, Annie Saumont, Arnaud Catherine, donc des auteurs qui publiaient par ailleurs dans de plus grosses maisons d'édition, mais que cette aventure, tout à coup, de rompre, on va dire, la solitude de l'écriture en s'associant d'emblée à un artiste intéressé. Et petit à petit, finalement, on a de moins en moins demandé à des auteurs des textes parce que ils viennent de plus en plus à nous, et on a très vite, au bout de 2-3 ans, aussi développé une collection de premiers textes, c'est-à-dire quand on crée une maison d'édition, on reçoit d'emblée des manuscrits par la poste, beaucoup. Qui viennent de France et de Navarre de partout. Et en 2008 ou 2009, je ne sais plus, on en a publié un premier. C'est ce qui nous semblait nécessaire de publier. Et petit à petit, un auteur dont on a publié le premier texte va nous proposer son deuxième texte. Un auteur qui publie par ailleurs, qui a fait un livre avec nous, va vouloir en faire un deuxième, un troisième. Là, j'ai sous les yeux, par exemple, les noms de Sid Houston et Guillaume Berson. C'est-à-dire qu'on avait commencé par un texte qui s'appelait « La fille poilue ». Ensuite, on a fait Poser nu. Après, il y a eu Eros Song. Et là, on prépare un quatrième livre avec Nancy Houston et Gio Berson qui s'appelle Indéo, qui sort le mois prochain. Donc, c'est aussi une question de... Il se crée des liens, une fidélité. Votre catalogue est composé de combien à peu près d'auteurs? Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de livres avec... je pense 80 auteurs et autant d'artistes. C'est ça aussi qu'il faut voir, puisque chaque livre est illustré par un artiste. Et pour finir juste sur la conception du livre, donc on part du texte. Une fois qu'on a le texte, on réfléchit à un artiste qui pourrait s'en emparer. Pas illustrer, c'est toute la question, justement, lui demander plutôt de s'immiscer dans les pages et de raconter une histoire parallèle qui naît du texte et de poursuivre son propre travail. La grande différence entre l'artiste et l'illustrateur, c'est que l'artiste a une sorte de carte blanche pour continuer son travail. Pour nous, la pire des choses, c'est quand on contacte un artiste qui nous dit, ou plutôt souvent quand quelqu'un vient nous voir en disant « j'aimerais bien travailler avec vous, faire des images », mais je fais ça, mais si ça ne vous plaît pas, je peux faire totalement autre chose. Ben non, justement, s'il peut faire totalement autre chose, on est dans l'illustration et ce n'est pas ce qu'on cherche. Alors, entre l'univers du papier et l'univers du numérique, est-ce que finalement vous arrivez à associer les deux, ou est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce que le papier perd du terrain vis-à-vis du numérique? Quelle est un peu votre approche? Vous avez un site internet, donc alors, tout se fait également par le côté numérique. Est-ce que ça
empêcher le développement du papier, de la texture, de la relation très particulière que l'on a avec un livre, finalement. Alors, aux éditions du Chemin de Fer, on a décidé de, pour le moment, de ne pas faire de livre numérique. Nous n'avons que Vous avez juste une vitrine pour présenter. Voilà, le site internet, c'est une vitrine. On peut acheter les livres sur le site, mais ce sont les livres papier et il n'y a pas de livre numérique. Parce qu'on n'a pas trouvé de forme, comme on fait des livres texte, images, qu'on soigne le choix du papier, qu'on soigne le choix du caractère, qu'on soigne la mise en page. On n'a pas trouvé de forme qui nous semblait suffisamment pertinente pour passer du livre papier au livre numérique. Et on s'est dit que sur ce genre de livre, peut-être ce n'était pas absolument nécessaire. Maintenant, est-ce que le livre papier perd du terrain sur le livre numérique? Ce que je constate en tout cas, c'est que je pense que tous les éditeurs, y compris les gros éditeurs, font de plus en plus de livres soignés. C'est-à-dire que l'avenir du livre papier, il est certainement dans le soin qu'on apporte à la fabrication du livre. Et je pense que c'est vrai pour tous les éditeurs. Et après, alors ce serait de prendre... Il ne faut pas oublier que quand l'imprimerie a été inventée en 1450, pendant plus d'une cinquantaine d'années, l'objectif principal des imprimeurs était de faire des livres qui ressemblaient le plus possible aux manuscrits. Aujourd'hui, on est à 10-15 ans de l'invention du livre numérique qui se contente d'essayer de copier le plus possible le livre papier. Peut-être qu'un jour, il y aura des formes différentes qui seront plus intéressantes pour nous. Mais en tout cas, pour le moment, et je crois que dans cette librairie, c'est bien le lieu du livre papier. Il y a une date importante, le jeudi 28 février. Vous pouvez nous dire quelques mots? Alors, nous venons de publier une pièce de théâtre inédite de Claude Simon qui s'appelle « La séparation ». Qui doit être juste là, si je ne me trompe, c'est ça? Non, ça c'est le cheval, c'était le premier Claude Simon, qui est là. C'est la seule pièce de théâtre que Claude Simon ait jamais écrite, qui avait été jouée dans les années 60 à Paris et que Jérôme Lindon, des éditions de Minuit, avait refusé de publier à la grande fureur de Claude Simon. Il y a des lettres incendiaires de Claude Simon à Jérôme Lindon lui disant que Paris se souviendra toujours de ce refus qui scandalise la capitale entière. Et donc c'est une édition qu'on a publiée avec la grande spécialiste de Claude Simon qui est Mireille Calgruber, qui a écrit la biographie de Claude Simon et de nombreuses études sur Claude Simon. Et justement dans le cadre du Festival Raccord dont je parlais au début de cet entretien, nous organisons un parcours des libraires, c'est-à-dire chaque éditeur invité au festival fait aussi une rencontre dans les librairies et on inaugure la première rencontre donc du festival à la librairie Le Coup de Papier qui est rue de l'Odéon avec une soirée spéciale Claude Simon le 28 février à 18h et donc c'est Mireille Calgruber qui viendra parler des liens entre Claude Simon et le théâtre d'une part et plus largement du rapport très particulier qu'entretient Claude Simon avec les genres en général, c'est-à-dire comment passer du roman au théâtre, au scénario et à toutes les formes que peut induire un texte. Aujourd'hui, que vous manque-t-il? Dans la vie ou dans l'édition? Dans l'édition, dans la vie, que vous manque-t-il pour être peut-être encore plus comblé que vous ne l'êtes? Je serais bien en peine de répondre à cette question. Je crois en tout cas que la grande difficulté de structure comme la nôtre, c'est à la fois d'être si peu nombreux, si petit, et en même temps c'est aussi la grande richesse puisqu'on fait absolument ce qu'on a envie de faire. Alors je ne vais pas vous dire, peut-être comme pourraient vous dire d'autres éditeurs qui sont présents dans cette librairie, je ne rêve pas de grossir, je ne rêve pas que les éditions du Chemin de Fer grossissent spécialement. Ce qui nous manque à tous les deux, en tout cas au Chemin de Fer, c'est du temps, ça c'est sûr, parce que on fait faire des livres prend énormément de temps, mais toute la partie commerciale, la partie administrative prend aussi également énormément de temps et qu'on aura envie de pouvoir consacrer
plus de ce temps à l'éditorial, souvent à la préparation de projets. Et évidemment, d'une certaine manière, ce qui nous manque, c'est aussi de pouvoir vivre assez confortablement de ce métier. Mais je crois que c'est aussi un choix, c'est-à-dire je préfère mille fois ne pas très bien gagner ma vie, voire pas bien du tout, mais être libre de mes choix. Être indépendant, et l'indépendance a un prix. Voilà. Pour terminer, est-ce que vous avez donc des projets immédiats et futurs? Donc déjà, il y a le 28 février, et puis il y a d'autres peut-être... Alors, le 4 avril, nous sortons trois nouveaux livres. Donc celui dont je parlais de Nancy Houston et Guillaume Berson, Indéo, qui est un texte assez impressionnant, un dialogue impossible entre l'Indien et l'homme blanc qui confrontent leurs deux visions du monde. Et évidemment avec l'idée que nous, occidentaux, aujourd'hui rêvons beaucoup d'être les Indiens, mais qu'on oublie peut-être aussi tout ce qu'il faudrait abandonner pour être cet Indien. Il y a un recueil de nouvelles d'Albertine Sarrazin, des nouvelles de prison d'Albertine Sarrazin, donc pour ceux qui se souviennent, l'auteur de La Cavale, de La Stragade dans les années 60. Et un premier texte qui s'appelle Martin de Tours de Mina Sungern, qui est illustré par, qui est vu par une artiste qui s'appelle Frédéric Lux, même moi j'utilise le mot illustré, qui est la réécriture, enfin pas la réécriture, mais l'écriture de la légende de Saint Martin, donc celui qui en particulier a partagé son manteau pour en donner la moitié à un pauvre. Mais cette légende, non pas vue du point de vue du saint, mais vue du point de vue de ce dont on ne parle pas dans cette histoire au départ, c'est-à-dire ce pauvre qui reçoit la moitié d'un manteau et qui se demande certainement ce qu'il va faire de la moitié d'un manteau et pourquoi Saint-Martin ne lui a pas donné tout son manteau. L'esclave dont Saint-Martin lave les pieds et qui se dit que ça va forcément finir mal pour lui parce que le légionnaire romain qui nettoie les pieds de son esclave, ça va forcément retomber sur l'esclave. Voilà, c'est une sorte de réécriture matérialiste, d'un point de vue matérialiste de cette légende. Et ensuite, il y a du 10 au 14 avril le festival Raccord. Et le chemin de fer, durant ce festival, va donc proposer une lecture musicale d'un texte de Carole Zalberg qui s'appelle Déroute, qui raconte. C'est une mère qui essaie d'expliquer à sa fille la question des réfugiés. Et on s'est dit qu'on allait faire cette lecture musicale à l'église Saint-Bernard, qui est dans le 18e, qui est, pour ceux qui s'en souviennent, l'église qui avait accueilli les sans-papiers. 93, si je ne me trompe pas, et qui reste encore aujourd'hui une église très attachée à l'accueil des réfugiés. Ça, c'est pour les projets immédiats, il y en a plein d'autres évidemment, mais plus lointains. Parfait. Alors, moi, ce